Possible, je suis tellement proche. Oh. Ici, ce que je propose de faire, c'est de prendre la plus longue impulsion. Ok, il a pris la même impulsion. Oh putain! Ah bah, si, y en a un. Ouf quand même. Qui m'attend juste derrière. Alerte, il est conseillé aux non-combattants de quitter le feu à volonté. Avertissement, hostile dans le secteur, neutralisation de la menace en cours. Bon, ok, ça c'est fait. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je veux pas mourir. C'est stressant, c'est pour William. On va essayer de le faire venir, de l'attirer. On peut fermer la porte. Oh, c'est trop top. Là, s'il peut pas bouger, on va pas se priver. Hein. Ok, moi je vais pas me priver. Ça, c'est vraiment de la merde. Qu'une, Mr. Gutsy. C'est sûr, Mr. Gutsy. C'est ce qu'il a comme arme. C'est pas rigolo. Oh, tiens, mange. Mange. Oh. Fiole rouge, c'est bon. C'est pas grave, ça fait perdre du poids. Ta fiole rouge. Franchement, ces robots, ils sont trop la classe.
suis clairement pas en position de me fight contre eux. Ça c'est net. Je peux me partir. Il est déjà mort. Il me reste toujours un qui traîne. Je sais pas du tout où je suis là. Ouais, il doit être là en fait, ok. Je continue à fouiller un peu. On fera le tri après. Ok. Donc là on est clean ici. Comme des bilos, on va prendre un petit peu de steampack, une impulsion. Risque d'emploi de la force létale sans sommation alerte. Il est conseillé. Putain, trop bien, vous êtes bloqué en plus. Ah bah non, putain, fuck it. Putain, c'est chaud. Je vous jure, je suis en stress, mais total. Les gens, même quand c'est ouvert, on peut. C'est vraiment pour s'amuser, sur l'XP. Merde. Une concentration. C'est barré encore. Ou pas. Le fils. Ça coûte. Fais gaffe qu'il me balance pas. Hein. Voilà. Coup de missile. Bouya. Putain, les archis, je m'en souviendrai. Hein. Moi ça me fait de la ferraille, c'est cool, mais... Ah mais merde, tu t'es fait démonter. Peut-être même pas. Pourquoi je prends des ventouses, je sais pas. Wow. Oh. Bon. Putain, en fait, j'ai déjà passé par ici. Putain de labyrinthe d'archives à la con. Tout est mort. Ok. C'est parti. L'ennemi est à nos portes. C'est le moment de pousser le plus grand cri de la chambre forte. Ok. Donc là, c'est la chambre forte. Donc ça va être là où je dois pas trouver le document. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas été faire un peu. Attention, mon ami.
38 d'XP, on va pas cracher dessus si je retrouve mieux. Ah oh, putain, génial. Oh non, les grenades frag non plus. Pas trop d'efficacité, je préfère mes mini-capsules à la limite si je dois m'encombrer de trucs comme ça. C'est une caverne d'Alibaba. Coffre de la sécurité. Grande charte, putain, je vais faire plein de documents, c'est cool. Ok. Oh, parfait. Donc ça ici c'est réglé, donc on va pouvoir essayer de voir les autres portes. Est-ce qu'elles peuvent me proposer du coup? Je crois qu'il y a qu'au sous-sol où j'avais ce genre de possibilité. Je vais dire une bêtise. Déclaration des droits. Génial tout ça. Donc là, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Parce que là, me jeter un coup d'œil, je pense pas qu'il y ait... Ah, pour tout vous dire, j'ai je reprends la partie un peu. Un jour après, et maintenant je me souviens plus du tout déjà. Non, je pense pas qu'il y ait... S'il existait d'autres portes, hein, ouais. Très bien. On reverra un peu plus tard si jamais il manque des trucs. Allez, en avant vers le coffre-fort. Vous avez pénétré nos défenses, échappé à nos meilleurs soldats et envahi ma maison. Mais je n'ai pas encore commencé à me battre. Je ne peux pas vous laisser nous voler notre liberté. La déclaration doit rester ici. Elle est un symbole d'espoir criant à la face du monde. Nous sommes un pays libre. Tu dois être Button Gwinnett, le second signataire de la déclaration. Ah, ma réputation m'a précédé. Vous devez donc savoir qu'on ne se moque pas impunément de moi et que ma loyauté envers les États est légendaire. Je sais que vos prouesses au combat dépassent de loin les miennes et je suis prêt à vous provoquer en duel s'il le faut. Qu'est-ce que vous choisissez alors? L'épée? Le pistolet à l'aube? Décidez-vous. C'est très courageux risquer ainsi sa vie pour un document. Ce n'est pas un simple document, monsieur. C'est la doctrine édictée par mes collègues du second congrès continental. Ils nous délivrent de la tyrannie du roi George III d'Angleterre. C'est peut-être le plus grand symbole de la liberté de ce pays. Il y aurait moyen d'arriver à un compromis? Les promesses rompues et la duperie font peut-être partie des méthodes de la couronne d'Angleterre, mais je ne succomberai pas à de tels procédés. Puisqu'il semble que vous teniez à résoudre cette question sans bain de sang, puis-je vous suggérer de vous rendre? Je peux vous assurer que l'on vous traitera bien, comme tout membre de l'armée du roi. Ouais. Ça va plus loin que tu ne l'imagines, Button. Expliquez-vous, mais sachez que je suis assez au fait des tactiques des espions à la solde des tuniques rouges. Enfin, Jude. Tâchez de ne pas l'oublier. Ouf, discours 22%. C'est vrai, j'espionne pour les tuniques rouges qui encerclent. Ça se tente? 22, laisse tomber. Laisse-moi prouver mon honnêteté en t'aidant à tromper les tuniques rouges. Intéressant. J'avais préparé un plan dans ce but. Le
Peut-être cela prouvera-t-il que vous êtes dans notre camp et pas dans celui de l'ennemi. Tout à fait. Nous allons faire un faux de la déclaration et l'envoyer en Grande-Bretagne. Cela pourrait nous laisser le temps de mettre le vrai texte en sûreté. J'adorerais être présent lorsque le roi Georges découvrira qu'il a déployé tant de moyens pour acquérir un faux. Mais il nous faut jouer de prudence. Les érudits britanniques reconnaîtraient immédiatement un faux grossier. Comment pourrait-on faire un faux convaincant alors? Si vous m'apportiez de l'encre, je pourrais en faire une copie parfaite. Le meilleur endroit pour en trouver serait la bibliothèque d'Arlington, ce que je n'ai pas pu faire. Après tout, je ne peux pas abandonner ces fortifications. Ok. Excellent. Il est mignon. Faites au plus vite. J'ai eu du mal quand même. Nous pourrons encore tenir le fort. J'entends leur canonnade s'intensifier de minute en minute. Bientôt ils franchiront les murs et le dernier bastion des États-Unis tombera. Comment va-t-on à la bibliothèque d'Arlington? Le voyage sera fort périlleux, je pense. Traversez le champ de maïs du fermier Smith, ah, okay, et gravissez Greenleaf Hill. Passez à gué Quick Run Creek et suivez la piste cavalière. Lorsque les pins se feront moins denses, vous devrez longer le bord d'Arlington. Attention aux tuniques rouges. Il y en a une garnison là-bas. Le bâtiment qui se trouve en face de la poissonnerie est la bibliothèque. Cherchez la vieille tour de l'horloge. Oh là là, putain. Et comment es-tu arrivé ici? Je crains de ne pouvoir divulguer cette information secrète avant de connaître vos intentions. J'ai quelques questions au sujet de la déclaration d'indépendance. Oh, très bien. Il n'y a pas de mal à ça. Tu as signé la déclaration d'indépendance? Oui. Je suis fier d'avoir pris part à la signature de la déclaration d'indépendance aux côtés de 55 combattants de la liberté. Cela a été un honneur de voir ma signature à côté de celle de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et John Adams. Peut-être un peu moins pour ce frimeur d'Hancock. Quelle est l'histoire de ce document? Le 4 juillet 1776, ah, vos stylos. Le second congrès continental a déclaré que les 13 colonies d'Amérique étaient désormais des États libres et indépendants. Ce document déclarait leur intention de rompre tout lien avec la monarchie britannique et d'agir en tant que nation indépendante. C'est peut-être le document le plus important de l'histoire des États-Unis. Ok. D'autres infos sur la déclaration? La déclaration d'indépendance ne reçut la signature de tous les délégués que le 2 août 1776. Ah, ça marche. D'autres infos? La colonie de New York fut absente de la déclaration et proclama sa propre indépendance. Ça, je le savais pas, par exemple. Le 9 juillet 1776. La résolution de Lee, entrée en vigueur 2 jours plus tôt, a été la véritable déclaration d'indépendance. La déclaration elle-même fut une extension de cette résolution de nature publique. D'accord. Offrez-moi la liste. Ça marche. C'est la toile. Écoutez, c'est vrai que la solution de facilité, ce serait de tout dézinguer. Je le trouve mignon, ce petit robot là. Donc on va lui filer un coup de main. Donc, même s'il va balancer toute sa merde. On va faire preuve de mansuétude. On va aller à la bibliothèque. Ça permettrait aussi de découvrir au passage un nouvel endroit, puisque j'y suis. Hop. Ah, putain, les robots, c'est quand même la plaie là. Surtout les robots HNI, ouais, bah comme dans les autres Fallout finalement, comme dans le Fallout 1 et 2 et Tactique. Et c'est les pires de tous. Ils sont juste insupportables. Grosse puissance de feu et. Massacre. En marche arrière. Bon, je vous promets, une fois que j'aurai l'élément qu'il faut, donc l'encre, ne vous ferait pas subir le passage retour vers le robot. On coupera ça au montage, pour que ce soit moins chiant. Surtout, vous connaissez le chemin maintenant. Ah, les super mutants. Putain, mais pourquoi les super mutants, ils voulaient
squatte ici. Il ne faut pas oublier aussi la personne qui reste dans le hall principal. Alors, tac tac tac. Je peux sortir. Ah, ici. Alors, carte. Je suis ici, il faut que j'aille là. Non. C'est super loin en fait. Voilà, du coup je me téléporte ici. Ouais, ou le... Ouais, non, on va plutôt aller là, je pense. Du coup, j'aurais dû aller à Rivet City, je suis con. Rivet City semble être plus proche quand même. Ouais, finalement, c'est à côté. Donc, on est dit direction là-bas. Donc, nous allons chercher de l'encre. Je suis pas sûr que je l'ai touché, mais dis-moi. Je sais pas si ça touche. Non, c'est un peu plus. On va y avoir une distance minimale d'acquisition, je pense. Si elle est bonne, j'en ai vu un autre ici. Ouais, un campement. L'avantage c'est que c'est pas très précis à distance quand même. Ah, d'accord. Oh, changement d'arme, donc là on va être un peu plus au cac. Moi je touche, mais apparemment c'est pas le cas.
Ah, c'est une fille de sniper. Ça, c'est bon. On va en profiter pour aller fouiller le campement. Voilà, deux ou trois choses à récupérer. Ça, ce sera fait. Hop. Du classique. Juste histoire de repartir à fond mon point de vie. Et en compétence. Ah. Parfait ça. 77. Magie. Continue à augmenter et le discours aussi. Spécialité bonus. Si tu spécialité bonus, pour choisir une quatrième compétence pour en faire une spécialité, ce qui l'augmente immédiatement de 15 points. Il dispose d'une type de résistance chimique, réduit de moitié le risque d'apparition de dépendance aux substances chimiques. J'utilise très peu donc. Tu engages, trouver une nouvelle surtout. Ouais, donc ça, ça m'intéresse pas bien. Amener des animaux dans distance. C'est pas mieux. Non plus, non plus. Faire une interaction avec les enfants, généralement par le biais de choix de dialogue spécifique. Compréhension, chaque degré, un petit canon. On va faire ça, je pense. Sur Canaille. Ok, ensuite en termes d'armes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça. Ok, je pense qu'on peut en mettre à nouveau un petit bouquin pour augmenter ses compétences. Ça, ça doit être des compétences en discours, bien sûr. Une béquille, non. Pas besoin. Ok. Voilà. Oh putain, c'est violent, tu m'en facile. Encore une. Point 18, on peut pas le transporter.
Je l'ai mis.